Eh bien salut à tous, c'est Corrosif, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon. Qu'est-ce que tu fous là toi? Vous l'avez vu? Ouais, on a préparé cette blague. Il y a Speeder qui est là, pour ceux qui connaissent bien les vidéos, c'est lui Speeder. Tu as que je joue beaucoup genre sur Karix et tout ça. Derrière la dernière vidéo c'était sur Karix, on l'a fait tous les deux. Mais du coup c'était pas moi. Ah c'était pas toi. Mais oui, c'est quoi ces conneries? Des chaises de miniature, là, j'ai la même taille que toi. En plus, il y a le micro, pile sur toi. Attends, vas-y. Voilà, comme ça, parfait. Donc aujourd'hui, on est sur Forza Horizon 5 avec notre ami Speeder qui est là. Et du coup, on profite de faire des petites vidéos ensemble. Vidéo va être insupportable, cut. Attends, j'ai même pas préparé mes scènes. Oh, bloody of fuck. Bloody of. Hein of Attends, bloody of. Oulala. Donc on est sur Forza Horizon 5 pour refaire un concept de vidéo que j'avais fait déjà sur FH3. Donc ça date, hein, ça date vraiment. Avec Zinzin, on avait profité d'une option qui est disponible sur la Xbox directement. Et c'est là que je me rends compte que si elle y est plus, le concept est niqué. Dans le menu Xbox, il y a un truc qui s'appelle permettre de copilote. C'est juste en dessous. Vous pouvez voir, j'enlève la caméra. À quoi ça sert? En gros, à utiliser deux manettes pour en faire qu'une seule. Voilà. Voilà. Genre, imagine qu'Oro il perd ses bras. Ou il perd une main. Je perds une main, on peut être à deux à jouer comme ça. On peut jouer comme ça. On peut jouer comme ça. Mais non, ça marche pas. Parce que du coup, t'as pas besoin de lui copilote. On est con. Le concept de la vidéo, c'est je joue ou tu joues. Et tu me fais chier ou je te fais chier. Déjà, on va configurer ça. Ah non, c'est en fait, la manette elle est connectée à la Xbox One qui est encore branchée là derrière. Du coup, le bloop que t'as entendu, c'est juste que t'as allumé la One en fait. Ça va être long. Eh, d'ailleurs, en plus, je te parle, j'ai mon casque depuis tout à l'heure, j'ai pas besoin en fait. Ah, une manette Corus 85, c'est connecté au copilote, c'est bon? Ouais. Donc là, théoriquement, si tu bouges. Voilà. Attends, on va dans FH. Ok, d'accord. Donc là, c'est lui qui conduit. Et si moi je te dis tu vas de ce côté là, ok, d'accord. Ça va être insupportable. Donc c'est moi qui roule. Donc là, je passe juste les vitesses et j'accélère. Et c'est Speeder qui. Il est vraiment mauvais Corrosif. Tu... Bah, ouais, forcément, c'est toi qui conduis. Toi, t'as juste le volant. Bah, Corrosif, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas moi! Mais Corrosif! Je vois, tu le fais mentalement. Mais, t'es mentaliste. Mais non, regarde, je pose la manette, c'est pas moi, c'est toi. Mais Corrosif. C'est littéralement toi. Mais je veux pas prendre de golf. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je veux pas prendre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais arrête, je veux pas prendre de golf. Regardez, il y a bien marqué Corrosif en haut là sur le truc Xbox, c'est bien son compte, moi je joue pas. Pourquoi j'ai fait une vidéo avec lui? Mais Corrosif. S'il vous plaît, aidez-moi. Non, finalement, faut aller de l'autre côté. Non, tu vas de l'autre. Tu vas de ce côté. Tu vas de ce côté là. Alors si tu tiens à la droite et la gauche, ah ouais, si ça va tout droit. C'est et ça. Là, si je lâche, ça va de ton côté. Et si moi je lâche, ça va de droite. Ok, d'accord. Et du coup, moi je peux te faire chier à faire ça. Ça va être très dur. Ça va être très long. Vas-y, on essaye de taper la montée du volcan. Et genre toi, tu fais quoi la direction et moi j'accélère? Ouais, faut qu'on se divise les tâches. Tu sais ce qui serait vraiment casse-couille? C'est que tu fasses l'accélérateur et les vitesses et que je fasse la direction et le frein. Ok, deal. En gros, j'ai toute la manette de partie droite, t'as toute la partie gauche de la manette. Voilà. Ok. On aurait pu jouer en fait sur une manette. Oui, on aurait pu jouer sur une manette, oui, c'est vrai. Mais sauf qu'on a l'air con comme ça, là, à se partager. Arrête d'avoir des arguments comme ça. Les gens, ils vont croire qu'on fait des vidéos qui sont sans intérêt après. D'ailleurs. Du coup, je pense qu'en vrai, cette magnifique Golf R que tu adores puisque tu l'as choisi. Mais bah non, c'est pas moi qui l'ai choisi. Littéralement, c'est pas moi. Je n'avais pas la manette en main. Mais on prend autre chose pour drifter. Comment ça, tu veux mettre le pop and bang dessus? Non, je vais pas mettre le pop and bang. Qu'est-ce que tu veux? Sachant que j'ai pas envie de battre le record de la montée, hein, du volcan, hein, je te préviens. Pas battre leur corps. Mais oui. Comment on va le battre? On va être tellement mauvais. Ça se trouve, on va combiner nos skills et on va éclater tout. C'est peut-être ça la seras aussi bon que moi. Bah non, parce que ça me compte pas. Parce que t'es tellement mauvais, du coup, si je suis avec toi, ça va me rabaisser mon niveau. Essaye de pas le prendre mal. Ça va. Est-ce qu'on prend un truc pas énervé, genre ça? Mais on va pas prendre une vulcane pour drifter. Ah, mais tu voulais faire un drift? Mais oui, mais il écoute pas ce que je dis, hein. Mais j'aimerais pas faire le record. Non, t'écoutes pas ce que je dis. En fait, j'ai jamais utilisé le frein en fait. Oh le bordel mec, oh c'est bon je vais te... Ouf. Ça y est, il vient de comprendre que c'est un bordel. J'imagine juste l'accélérateur au moment où tu dis non, accélère pas. Et qu'il accélère. Tu vas le faire.
En vrai, valeur sûre, bah oui, bah ça, allez, vas-y. Formula Drift. Tu veux celle-là ? Ouais, la Z Formula Drift. Il va prendre autre chose. Mais la Z Formula. En vrai, tu laisse-moi veux... les commandes. Tu mais laisse-moi les commandes, je veux la Z. Tu veux un truc compliqué, tu prends celle-là, mec, là, on va s'en chier. Mais, bon, vas-y, go pour la X8 alors. On va vraiment chier. On va en chier, parce mais que c'est même pas tout grave. Seul. C'est chiant. Même tout seul, c'est compliqué des fois. Je m'occupe de l'accélérateur et des vitesses. Ok, bah vas-y. Qui c'est qui fait freinant ? Moi, du coup. Je m'occupe de la partie droite. Ok, bah avance. D'accord, bah oui, bah ça va. Tu me dis frein à main. Bah non, tu gères. À un moment, tu vois le virage. Ok, d'accord. Frein à main. Ok, d'accord. Oh putain, j'ai chier. Frein à main. Relance. Frein à main. Non, ça, c'est pas le frein à main, frérot. Mais si, c'était le frein à main. Elle a rien dans le cul. Hein. Elle a rien dans le cul dès que tu passes la 3, là. Elle demande que ça de passer la 3, mais dès que tu la passes, c'est. Tu peux rester en 3, tu mets juste des coups de frein à main. Frein à main. Oh là, oh là. Incroyable. C'est entré dans la zone de drift. Frein à main. Vas-y, relance. Rien dans le cul. Mets un frein à main et accélère en même temps. Tu fais un clutch kick. Voilà, comme ça, tu fais des trucs comme okay, ça. Ok, d'accord. Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as freiné? Parce que c'était beaucoup trop rapide. Mais t'es une chochotte. Moi, je le fais tout le temps sur un Wii. J'ai le contrôle, je peux nous mettre en dehors de la map. Le truc qui est rigolo, c'est que rien qu'au son, je peux. fuck. Non, mais moi, ce que je disais, rien qu'au son, moi j'ai pas besoin de regarder l'écran, c'est toi qui dirige. Ouais, mais tu fais de la merde quand même parce que tu regardes pas le virage, tu sais pas quelle vitesse mettre. Frein à main. Ça passe! Bon, enfin. T'inquiète! L'herbe, ça compte. Frein à main! Oh non, t'as niqué le truc. Bah, oui. Frein à main! Voilà. Refais, frein à main! Frein à main! J'ai l'habitude de lâcher l'accélérateur pendant. Arbre! Ah! Alors, moi, je trouve ça horrible de pas avoir le contrôle de la direction. Toi, ce que ça doit être? Ouais, moi, c'est très bizarre. T'as l'impression de jouer à un jeu mobile en fait? T'es juste à diriger. J'ai l'impression de jouer en à... En fait, tu joues à Forza Street. À Forza Street. Incroyable. Le défunt Forza Street. Putain, je vais faire ça. Bah ouais, moi c'est pareil, tu vois, je suis là, hein. Tranquille, hein. Je vois plus rien, là, beaucoup trop rapide. Ah, j'ai de la buée dans les yeux, non. Oh. C'est pas... Non, fallait pas le... Mais non, j'ai passé le reverse. Je me suis déjà fait avoir en plus, moi, déjà... Oh, je suis une voiture de drift et j'ai passé le reverse. On n'a plus qu'à changer de voiture. Non. Alors, on va pas changer de voiture, seulement. On va faire un truc. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous le voyez, là? Allez, bien. Quittez ça! Parce que comme on l'a déjà fait avec Zinzin sur FH3, bon, ça date, hein, ça fait bien 5 ans maintenant. Bah, histoire de changer un petit peu le concept et passer le niveau supérieur, on va utiliser le volant. Tout ce que j'espère, c'est que ça casse pas les bras, genre que le retour de force va faire comme ça quand tu contrôles le truc. Je vais me péter les bras, mais c'est pour vous. Pendant qu'on installe le truc, hein, n'hésitez pas à prendre un café, abonnez-vous. Hein. Si c'est pas déjà fait, ouais. Genoux, c'est stand-by, c'est. Les équipes techniques passent et tout, genre tu vois, il faut tout brancher et tout. C'est un bordel. Eh, hey, tu veux une bonne nouvelle? Vu que j'ai descendu le bureau, on te verra en entier. Tu seras plus petit. Ouais. T'inquiète pas, tu seras toujours petit dans la vraie vie après, hein. Comment ça, un poil de cheveux? Bah, une tête, c'est pas vraiment un cheveu, hein. Le volant compte quand même comme manette 1. Ok, donc faut quand même la deuxième manette. On va y arriver. Eh, hey, wow, arrête! Hey, wow. Oh putain, déjà, il faut que je me remette au volant. Ah non, mais j'ai pas choisi la bonne voiture aussi pour pouvoir faire du volant. On va prendre un truc au hasard. Une Golf R6 Alors, un truc au hasard. Une Golf R6 Un truc au hasard. Oh, une Golf 7R bleue. Waouh. T'as le frein à main d'activer, toi. Mais ça... Lâche ça. Mais arrête, mais je veux conduire. Mais putain, mais merde.
m'en fous, moi je suis un... Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Ton pote te fera mal genre une fois. C'est fini, mec. Arrête. Mais arrête. Je t'ai demandé de me faire chier, pas de me pourrir la vieille. Donne-moi le contrôle, c'est moi qui conduis. Ok. Je sais même pas où je suis dans mes vitesses là. Mais c'est pas possible. En pire, au lieu de te bouffer des arbres, tu veux pas aller sur la route? Sans blague. J'aimerais bien aller sur la route. Mais merde. Arrête. Mais non, par contre, j'ai plus de direction quand tu fais ça. J'ai plus de direction. Je croyais que tu l'avais encore. Rien, j'ai rien. Non, mais non, toi. En gros, il faut que tu gères la boîte de vitesse. En fait, il faut vraiment pas que tu touches à la direction, en fait. Regarde, je te l'ai fait parfait, là. Accélère, accélère. Par contre, t'arrêtes, tu lâches le frein à main, s'il te plaît. Mais, je t'ai dit... Arrête avec le frein à main. Mais... C'est ton idée vidéo. Ah oui, mais je peux rien faire, en fait. Je peux rien faire. Je peux pas prendre la direction. On va même peut-être mal configurer le copilote. Je crois qu'il considère que... C'est il n'y a qu'une manette. Ça marche pas avec le volant. En fait, depuis tout à l'heure, c'est que ça marche pas, en fait. Je suis déçu. Bah, reprends la manette. Et on fait une course à la manette. Mon idée, c'était de le faire avec le volant. Est-ce qu'on peut avoir des rips dans le chat, si vous... Sinon, la vitelle fraise est super bonne. T'as fini de faire chier les gens? Je fais de l'ASMR. Oui, bah oui, c'est ce que je dis. J'essaie de diversifier ton contenu. Mais du coup, ça explique tout, en fait. C'est pour ça que je perdais le contrôle, en fait. Je perdais tous les contrôles. C'est juste qu'avec le volant, ça fonctionne pas. Eh ben, c'est la déception, mais on aura tenté. Bon, bah, reprends ta manette. Merci. Puis, ben, moi, je retourne avec ma manette. Faire l'inverse, tu fais la direction. Je fais la direction et toi, tu. Moi, je fais direction et frein. Et toi, tu gères toute la. En gros, tu gères toute la patte droite de la manette. Genre, juste, j'accélère, je mets la vitesse la plus haute et j'attends, je mets des freins à main un peu à droite à gauche et tu dois gérer. Ça marche? C'est pas comme ça que ça marche le teammate, hein. Je sais pas si tu... La course s'est lancée. Ok, d'accord. Ah, c'est perturbant de ouf de pas... Oh, c'est perturbant de ouf de pas gérer le frein, l'accélération. En fait, on est bon. Mais on est trop bon, en fait. En fait, on est bon. C'est pas besoin, en fait. Ouais, en fait... Ah. C'est passe. C'est ça passé, c'est passé, c'est passé. C'est ABA, c'est juste honteux à quel point on y arrive. Bah, en fait, ouais, y a rien de fun. C'est juste on joue en fait. Nous sommes qu'une personne. Je suis sûr on bat très fort Zappo en faisant ça. Bien sûr. Par contre ça fait mal d'avoir le bras en l'air comme ça là. C'est pas habituel. Bah c'est pas... Bah, non, on commence à se faire des muscles en tant que gamer. C'est un problème. Comment se faire des muscles avec vos potes? Activez le copilote. Exactement. On s'en fait. Ladies and gentlemen, we made it. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Et si on faisait le test? Et si on faisait la saison? Non pas la saison. Le test comme ça, si on reçoit des insultes par Xbox... Des autres gars qui sont avec nous dans le test, on dira désolé, on a 4 mains. Sorry bro, I have 4 hands. Oh. What do you mean? C'est I'm c'est... drinking and driving in same time. Oh my god. Oh my god. Oh. Bah, c'est une vraie excuse en vrai. Bah du coup maintenant c'est une excuse pour jouer chaque semaine chez toi pour faire Season Forza en coop. Allez, deal. Tu veux pas prendre une 911 blanche? Je préfère prendre la 911. Tu veux pas une 911 blanche? Je sais que tu aimes beaucoup cette voiture. Je veux pas la 911, je veux la 911. Parce qu'à confondre, parce que Porsche ont aussi fait la 911. C'est vrai, et puis quelques années après, ils ont fait la 911. C'est vrai. Puis je crois même 10 ans après, ils ont fait la 911 aussi. Mais 5 ans avant, ils avaient fait la 911 aussi. Mmh. Ouais. C'est un peu compliqué à se retrouver, mais en vrai, si... En vrai, une 4 roues, ça serait le BNF. 4 roues motrices, c'est le BNF, ouais. GTR, la vitesse, tu fais la direction. Ok. Est-ce que ça et te va? Il y a 3 courses, on inverse au bout d'un moment. Ah non, il y a 2 courses techniquement si on gagne. Ouais, tu te sens bon en quoi? Le but c'est quand même de gagner, de leur mettre une tollée. Ouais mais c'est normal, on est 4. Enfin non, on n'est pas 4. On a 4 mains, c'est normal. Comme dirait le proverbe, tout seul tu vas plus vite, ensemble on va plus loin. Putain corrosif, suppose ce que tu dis. Suppose ce que tu dis, billet. Oh, il va me faire chialer la chagrin ça là. On s'excuse auprès de tous ceux qui sont dans le test si des fois on conduit mal. C'est pas de notre faute. Mais sachez que si un jour vous tombez sur des gars qui sont nuls à chier sur le test, il y a moyen que c'est parce qu'ils font ça. En vrai, ça doit arriver vachement souvent alors. Allez, c'est parti. Allez.
Let's go. Ça va le faire easy. Faites ça. Excusez-nous. Attends. Incroyable. On est bon, on est bon. Let's go. Ça passe. Mais sérieux, chut, chut. On finit, on dira après. Oui. Mais en vrai, limite, tu te concentres encore mieux en faisant ça. Mais oui, parce que moi, je me concentre que sur la trajectoire, plutôt que sur les... Mais en fait, c'est du cheat. Oh, doucement, hein. Nous, on est deux, hein. Il est beaucoup trop rapide par rapport à nous. Ouais, mais nous, on est deux, c'est normal, tu vois. Genre. On a plus de poids dans la voiture. Ouais, exactement. On est plus lourd. En vrai, est-ce que c'est juste... C'est honteux, en fait. Qu'on conduit quasiment... On vient niquer des joueurs, on n'a pas de coordination. Genre, quand un moment tu dis freine là, c'est vrai, c'est... J'avoue qu'on se parle pas. Mec, on est juste là et puis on joue tranquille. J'avoue ce que tu soulèves comme point là. Genre, vraiment, on se parle pas. Genre, c'est vraiment, pour nous, c'est normal, tout va bien. Je crois qu'on a un problème. C'est moi qui gère les vitesses et l'accélérateur. Allez, vas-y. On se tire la main. Allez. Se tire la main. Allez. Yes. Non, ça fait. Non. Je sais que je suis plus mauvais à ça, tu par contre. Faire comme ça, en fait. Mais ouais, tu peux faire ce que tu veux, hein. Allez, let's go. On y va. Mais qu'est-ce qu'il est, lui, là? Ah, je vois rien quand tu fais ça, hein. Ah oui, c'est moi qui... Mais oui, c'est toi qui as le frein. Ah, dans ce sens-là, c'est un peu plus catastrophique, hein. Relâche l'accélérateur quand t'as les ombres rouges, en fait. T'as accéléré en même temps que je freine. Tu vois, autant là, on est... Tout à l'heure, on était corps. Est-ce qu'on le fout dehors? Non. Mais non. Sois pas un cancer, bordel. Tu t'es pris pour ma fille stunting ou quoi? Si, on essaye de jouer clean sur cette chaîne. On essaye. Si on le fait pas, c'est qu'on fait pas exprès. Ou alors c'est entre nous. Mais on va pas faire chier les autres joueurs. Je rappelle qu'il nous a rentré dans le cul, toi. Oui, il nous a rentré dans le cul. Mais toi, tu restes appuyé sur l'accélérateur, c'est pas possible. Non. On le fume. Mon power, baby. On finit encore deuxième. C'est honteux. On finit encore deuxième. Mec. Par contre, c'était plus chaotique parce que moi, je gère moins le truc, en fait. Hein. On est fait pour l'être l'un pour l'autre. Je suis ton homme vitesse. Et tu es bon corps accélérateur. Bah, tu es speeder, donc oui, tu es l'homme vitesse. Donne-moi la balle de vitesse, alors. Voilà, on a gagné le test. Donc, à tous ceux qui n'arrivent pas à faire le test avec leurs deux mains... Faites-les avec quatre. Donc ça, c'est le message. Si vous êtes nul à Forza, jouez avec un pote. C'est toujours mieux avec un pote. Du coup, pour moi, si tu veux t'abuser. J'ai plus envie de tenir la manette à deux mains, en fait. Vraiment, là, je suis bien. J'ai mon gobelet, j'ai ma manette. Regarde, je suis comme ça, là. Je suis trop bien. Donc voilà, j'espère que ce petit concept de vidéo où on se partage une manette vous a plu. En tout cas, c'était très drôle. Moi j'ai bien aimé, surtout la partie où j'ai eu la désillusion où que avec le volant ça marchait pas parce que en fait j'avais clairement basé mon idée là-dessus. D'ailleurs, on a un petit jeu concours. Non. Que tu n'es pas au courant. Bah non. Oui. Si vous trouvez la Porsche 911 blanche dans cette vidéo, vous gagnez un pouce bleu. Quoi ? Quelle Porsche 911 ? Quel Porsche 900? Oh fuck! T'es passé devant tout à l'heure trois fois, tu l'as pas vu! Mais c'est pas à moi ça! Depuis toute la vidéo, elle était dedans. En vrai, j'aurais dû la laisser pendant genre 3 mois et t'aurais fait plein de vidéos et un jour j'aurais fait Koro. Mais t'as acheté ça quand? Tout à l'heure? Oui. C'est pour ça que tu me fais chier avec une Porsche! T'as allumé ton truc de merde là! T'avais tes yeux, mais devant! Et tu l'as pas vu! Devant! Genre vraiment, t'étais comme ça devant. Et t'as fait... Eh bien, ça nul. Oui, et t'es un fan de Porsche, puisqu'il a une Porsche dans... Bah non. Dans sa décoration. Juste non, en fait. Mais si. Non, je suis pas fan de Porsche. Tu veux retourner la vidéo? Sans la Porsche? Bah non. Donc t'es fan de Porsche? Tu aimes les 911? En plus, c'est une Carrera. C'est une 911. Si j'ai envie de faire chier les gens à Trigger, j'ai juste à me pousser pour faire voir la Tesla, en fait. Juste là. Ah! Là, tous les puristes, ils sont partis là. C'est beaucoup trop long. Hein. Bon, on se casse? Ouais, on va se casser. Parce que c'est absurde. Parce que déjà, les gens sont partis. Déjà, pour commencer. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le manifester si c'est le cas avec un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous, c'est très important. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça se trouve, il sera pas là. J'espère. Ouais. J'espère aussi. C'était Corrosif et Speeder. Salut!